Eh bien bonjour, c'est Big M et c'est la reprise. Oui, parce qu'effectivement là actuellement je suis sur la route pour aller à Metz. C'est le premier jour de Metz Story 2021. Enfin, ça c'est pas tout à fait vrai puisque j'y étais déjà hier soir pour un concert totalement incroyable. C'est la soirée du vendredi 27 août et je suis au parc des expositions à Metz. C'est parti pour Metz Story et plus spécialement pour un concert de folie. Ça va être le concert des génériques des années 80 et 90, tout ce qui aura bercé notre enfance avec des titres incroyables comme Michel Barouille et Bioman. Dans l'espace et dans ton cœur, un vaisseau venu d'ailleurs, Bioman te voilà et tout ça et tout ça. Ouais non, bon, au final il l'a pas chanté. Mais comme ça vous aurez eu un petit aperçu de ce que ça donne quand c'est moi. Ah, c'est pas terrible, j'avoue. On aura aussi Peter Lorne qui va interpréter entre autres le générique de Tortue Ninja, le générique culte de Jean-Paul Césari, Nicky Larson, ne crains personne. Et bien sûr, le générique dont tout le monde connaît les paroles, celui de Pokémon, interprété par Jean-Marc Anthony Cabella. Allez, c'est parti, on va s'éclater. Comme ça, je m'approche et ce que je peux vous dire, c'est que ça fait vachement plaisir de se retrouver. Le tour du monde, aventurier, gentleman, joueur. Fan est en danger, accéléré, il faut la libérer. Pas de pitié pour ses ennemis, mais ils disent que sa vie c'est Cobra, sans crainte de dire la vie Cobra. La peur plus sombre que la nuit. Tu vois, c'est en même temps la lune si ronde, tout le sourire du monde. Tout le monde, Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Je suis Sonic le volcanique, je suis Sonic le dynamique. Cours par-ci, cours par-là, tu ne mourras pas. Sonic, allez accrochez-vous, tant pis si je cours plus vite que vous. Parle naturellement pour voir. Ouais, non, ouais. Non, s'il te plaît. Ah oui, bonsoir. Est-ce que vous reconnaissez la voix un peu? Il s'est fait avoir. Oui, voilà, il s'est fait avoir. Je viens livrer une pizza pour... Il s'est fait avoir. Non, oh, c'est pas vrai. Chanteur de rock'n'roll. Booba, 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 Booba,
passer vers Arcadia, vers les monts engloutis. Ah, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce concert nous a bien mis dans l'ambiance. Hein. C'était assez incroyable. Une occasion tout à fait unique. Les artistes étaient vraiment formidaux. Ouais, je dis formidaux, c'est le pluriel de formidable. Du coup, j'ai très très hâte de m'y rendre. C'est ma première convention depuis malheureusement le Covid. Alors qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui et d'ailleurs tout le week-end? Des acteurs issus de l'univers de Harry Potter. Des comédiens faisant beaucoup de doublages tels que Donald Renew ou encore Alexis Thomasian. Sans oublier des youtubeurs avec deux tiers des Hard Looters, avec Benzaï et Mister Karaté. Un spectacle de magie, des conférences, des expositions, un espace jeux vidéo, du cosplay et sans doute plein d'autres choses. Et je vous emmène du coup pour découvrir tout ça avec moi. Ça fait bien plaisir d'être à Metz et de rencontrer des amis tout droit venus de Belgique. Eh oui, voilà. Et ça fait longtemps qu'on ne s'était plus vu. Le mort déjà. Deux semaines avant le début du Covid, je crois, un truc comme ça. Ah, quand même un mois ou deux. Mais Le Mans en janvier 2020, voilà. Quand le monde tournait encore normalement. Mais ça fait super plaisir de te retrouver. Bon, ami à cœur n'est pas ici aujourd'hui, mais t'inquiète pas, on te la retrouvera. On te la retrouvera, il n'y a pas de souci. We'll be right back.
voilà, bienvenue à Mestory 2021. On est à l'intérieur, c'est parti, on va prendre connaissance de tout ça. Et puis on espère, et d'ailleurs j'en doute très peu, voire pas du tout, qu'on va passer un excellent week-end. On est à l'espace dédicace où ben, pour le moment il n'y a encore personne, mais on va accueillir des gens comme Benzaï et Mister Karaté, ou encore Alexis Thomasian et Donald Renew, Nick Moran. On n'est pas à la moitié de la journée et c'est bien rempli. Voilà, du coup, c'est pas parce qu'on est à Metz qu'on peut pas rencontrer des gens de Paris. Je suis là avec Necoflex Cosplay et la magnifique Ego Cosplay. Voilà, ça fait vraiment plaisir de vous voir, les amis. Bonjour messieurs, bonjour. Comment ça va? Ça va? Bah, impec. Le double coffret. Ah ouais, bah j'ai une fois le hard corner, deux. Incroyable. Parce que le 1, j'arrivais plus à l'avoir. Il est introuvable. Ouais, il est introuvable, ouais. J'en ai plus moi-même. Ouais, bah, j'espérais que t'en avais peut-être, mais bon, écoute. Mais moi je l'ai plus. Ouais. Ah ouais. Donc je te dédicace tout seul. Ouais, s'il te plaît. Allez. Merci pour la doublette. Merci à toi. Ça fait penser à un jeu, ça? Ouais. Non. D'accord. Ouais, c'est bien, t'es con. Il est bien fichu, quand même. C'est un bel objet. Est-ce que tu peux ouvrir et te souvenir? Attends, c'était dans quelle boutique qu'ils avaient vu ça et tout? T'as toutes les notes des boutiques, quoi. En plus, moi, je suis un gros adepte du support physique. Alors, des trucs comme ça, vous me gâtez avec ça. Ouais. Raté. Tu es sur ce dessin, il faut que tu sais. Vraiment, mais j'adore tout ce que tu fais avec ça. C'est gentil. Hard Corner, la radio libre, j'adore passer un moment là-dessus. Brosséliande, c'était très cool, c'est dommage que tu t'es arrêté. Franchement, Capsule, il a bien géré. Hein. Ouais. J'aime beaucoup les interactions, c'est on va dire les mini crossovers. Ouais, c'est-à-dire que ça te resitue bien dans le contexte. Alors, il est fort. Mais merci, franchement. Bah. C'est moi. Je prépare une si grosse rentrée que c'est pas raisonnable de venir en convention, mais ah. Parce que j'ai vraiment tellement de pain sur la planche, mais ça va avoir. On fait une petite photo tous les trois. Ah,
Franchement, super taf sur Resident Evil 8. Moi, j'ai adoré, c'est Kingdom Hearts en VF. Ah, bah oui, le 3. C'est ton meilleur rôle. Ah, bah oui. J'ai jamais autant apprécié que tu sois dedans. Et derrière moi, on a un stand qui permet aux cosplayers de se faire photographier avec actuellement Ego et Deadpoolette. C'est très cool ce qu'on nous propose là. Et je suis ici dans une magnifique exposition Harry Potter. Je vous emmène faire un tour. Voilà, c'est la fin de la journée, fin de convention. La reprise a fait énormément de bien. Comme d'habitude, on a les jambes en compote, les pieds en bouillie, le dos en ruine. Mais ça fait du bien. La convention était très réussie, surtout en vue de la situation particulière. On a déjà hâte d'avoir une prochaine édition. Et en attendant, moi je vous dis bien sûr, ciao et... Bisexual! La reprise a pris, a fait... Je vais recommencer. Là. Sur la route vers Metz, oh oh. Sur la route vers Metz, Story, oh oh. Au parc des expositions. Non, j'ai dit qu'il faut que j'arrête de chanter, moi, dans mes vidéos. Si t'es gentil, abonne-toi.